Lors de cette rencontre, le diplomate algérien Djaouti Faisal a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne. Cette rencontre s'inscrit dans la tradition et bon usage diplomatique qui encadre les relations internationales et surtout les États. Le chef de la diplomatie tchadienne et l'ambassadeur algérien ont saisi cette occasion pour discuter des relations bilatérales entre le Tchad et l'Algérie, qui sont marquées par une longue tradition d'amitié et de coopération. Abdrahmane Koulamallah a réaffirmé pour ce faire l'engagement du Tchad à bonifier les liens de coopération avec la République démocratique algérienne dans tous les domaines. Monsieur Djaouti Faisal a lui aussi exprimé une identité de vue avec le ministre tchadien des Affaires étrangères sur cette question, saluant notamment le leadership tchadien dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Après avoir reçu l'ambassadeur algérien accrédité au Tchad, le chef de la diplomatie tchadienne a également échangé avec le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Versimo, sur le processus d'accompagnement des futures élections législatives au Tchad. Ces échanges permettront d'appuyer le gouvernement à mener les opérations relatives à ces élections, ce qui constitue une dernière étape pour boucler le cycle électoral au Tchad avec les communales.